Brigitte Macron, pourquoi la première dame absente aux commémorations du 11 novembre? Depuis qu'Emmanuel Macron a été élu aux plus hautes fonctions de l'État, Brigitte Macron le soutient dans l'ombre. Elle qui exerce sur son époux une influence certaine. Un aveu qu'avait lui-même fait le président. Dans le livre Emmanuel Macron, Vérité et légende, elle a une place dans cette maison qui n'est pas que celle d'être la femme qui m'accompagne dans la vie. Elle me connaît, j'ai confiance en son jugement, il serait faux de dire qu'elle n'a aucun rôle et aucune influence sur moi. Virgule avait-il admis. Si elle jure ne pas intervenir sur les décisions importantes que doit prendre son mari quotidiennement. Brigitte Macron ne nie pas néanmoins qu'Emmanuel Macron et elle forment un couple fusionnel. J'ai profondément confiance en lui. On est là l'un pour l'autre. Sans arrêt. 24 sur 24 pouces, avait-elle confié sur RTL en 2019, lors d'un entretien accordé à Marc-Olivier Fogiel. Présente pour le président en coulisses, Brigitte Macron l'est aussi publiquement. Elle qui n'hésite pas à se tenir à ses côtés lors d'événements importants. Pourtant, ce vendredi 11 novembre, alors que la France célébrait le 104e anniversaire de l'armistice de 1918, la première dame n'était pas présente avec Emmanuel Macron lors de la cérémonie de commémoration à l'Arc de Triomphe à Paris. En cette journée gravée dans les mémoires des Français, le président s'est rendu sur les Champs-Élysées pour déposer une gerbe au pied de la statue de Georges Clemenceau, puis sur la place de l'Étoile. Si Brigitte Macron n'avait pas fait le déplacement, c'est tout simplement car seules les familles invitées et les représentants politiques peuvent participer aux commémorations. La seule année où Brigitte Macron s'était présentée aux côtés de son mari fut l'année 2018. Puisque cette cérémonie marquait les 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Une entorse à la règle qui ne s'est plus reproduite depuis.